Salut à vous, ma belle communauté. Alors, je viens vous délivrer un message. J'ai tellement hâte de vous parler de ce qui est en train de se concrétiser pour moi en 2023, la correction de mon livre là au mois de février, la mise en place de mon spectacle pour le mois de décembre qui va s'intituler « Divorcer et alors les femmes dans tous leurs états ». Eh bien, tous ces événements qui arrivent m'oblige à décaler l'entrée dans le programme « Apprendre à aimer sa vie après une rupture amoureuse » au 20 mars 2023, le jour du printemps. Alors, si je décide de le décaler, c'est que quelque part, j'ai envie aussi, pour les personnes qui intégreront ce programme, de vous offrir ce livre qui sera le guide de la pré-rupture amoureuse. Et comme eh bien tout arrive un petit peu aussi en même temps, je me suis dit que c'était plus judicieux de le décaler d'un mois et puis de vous faire profiter de 3 mois pour que le 21 juin, jour de l'été, vous ayez en votre possession plein de petites pépites pour pouvoir aborder votre été 2023 avec peut-être la pêche, la banane. Non, je ne vais pas tout vous énumérer les fruits, on est ok. Mais je dirais avec beaucoup plus d'humour, avec beaucoup plus d'amour. En attendant, de toute façon, je suis toujours là, toujours visible sur les réseaux, en live du lundi au vendredi sur ma chaîne YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et surtout, commencez à surveiller parce que je vais monter avec vous mon spectacle de fin d'année sur YouTube. Je vais m'exercer avec un micro en public et vous aurez la primeur d'avoir ce que je vais mettre dans ce beau spectacle de décembre 2023. On se retrouve très vite, n'oubliez pas, si vous avez des questions sur ce programme, des interrogations, n'hésitez pas à me les envoyer à mon adresse mail favorite qui va devenir aussi la vôtre, florence@florence-cohen.fr. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite.